Bonjour à tous, c'est B61 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Age of Mythology pour l'épisode 25. Donc on va charger la partie et on est au dernier chapitre du jeu, je vous rappelle. Donc peut-être que ça sera la dernière vidéo, on verra. Donc hop, alors c'est quoi? Je pense que ça doit être 30. On va vite le savoir. Une place dans mes rêves, ça a l'air d'être bien parti. Alors vous étonnez pas s'il y a beaucoup plus de bruit de clavier que d'habitude, c'est parce que j'ai eu un souci avec mon clavier, il commençait à merder un petit peu ces derniers mois. Et parce que je joue sur mon PC portable hein, au cas où. Et en fait le clavier du PC portable, le clavier intégré, marche presque plus on va dire. En fait si vous voulez, il active des touches tout seul à certains moments. Et du coup, ce qui fait qu'il y a certaines combinaisons de touches, par exemple, si je vais appuyer sur E, ça va faire comme un raccourci clavier pour aller dans l'explorateur Windows, c'est-à-dire dans mes dossiers. Si j'appuie sur L, bah L pour l'anglais, ça veut dire lock, ça veut dire verrouiller, et bah ça va verrouiller ma session Windows. Donc vous imaginez bien que là, si je joue à Age of Mythology et que j'appuie sur L et que ça verrouille ma session Windows, ça va être compliqué d'enregistrer une vidéo, quoi. Donc ça, c'est même pour taper un texte. Tout à l'heure, je voulais répondre à un commentaire par rapport au débat qu'on a fait il y a peu de temps sur Resident Evil 2, sur les annonces et tout. Et du coup, je voulais taper un long commentaire et à chaque fois, même quand je faisais espace, ça me faisait un retour Windows. Enfin, en gros, ça réduisait toutes les fenêtres, internet et tout ce que j'avais d'ouvert. Je pouvais pas écrire mon commentaire. Chaque touche, ça correspondait à un truc clavier. Donc, j'ai beau rester appuyé sur CTRL, ALT, des choses comme ça pour essayer de désactiver ces contrôles. Rien à faire. J'ai branché un clavier USB externe. Pareil, ça annihilait pas, on va dire, les touches déjà appuyées sur le clavier interne. Donc, ça voulait pas marcher. Le seul moyen, c'est que, en fait, j'ai dû démonter le PC. Au début, j'ai démonté tout le clavier, je l'ai nettoyé au cas où, on ne sait jamais, je me suis dit peut-être que ça va remarcher. Ça n'a pas marché, et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé la nappe qui est reliée à la carte mère, en fait. C'est vraiment du démontage de PC en mode système Blader, quoi. C'était le seul moyen, en fait, pour que je puisse brancher mon clavier en USB, que je puisse me resservir de mon ordi un minimum. Donc j'ai commandé un clavier, ça fait grave chier, parce que bon, ça fait que 4 ans, et le clavier, je suis loin de... d'être un joueur hardcore sur PC, hein, comme vous le savez, la part du temps, quand je passe beaucoup d'heures sur un jeu sur PC, c'est souvent du Age of, par exemple. Enfin, souvent du jeu stratégie, donc si vous voulez, j'utilise très peu le clavier, en fait, finalement, j'utilise beaucoup la souris. Donc, ça fait clairement chier, hein, je vous cache pas, parce que le clavier, bah déjà, pour trouver un clavier officiel, c'est pas possible. Je l'ai trouvé nulle part, le bordel. Et ça coûterait plus de 100 balles. En reconditionné, j'en ai trouvé qu'un, c'était 120 balles, donc... LOL. Et après, il y a énormément de marques chinoises qui font ce genre de clavier, mais... Tu sais, c'est le genre de marque chinoise, tu sais pas trop ce que ça vaut, quoi. Donc t'en as à peu près à tous les prix, t'en as une vingtaine d'euros, il y en a 50 balles, enfin bref. J'ai essayé de prendre le juste milieu, je crois qu'il était à 50, bon ça doit faire 60, je crois, avec les frais de port. Le gros problème, c'est que du coup, sur celui-là, bon, j'ai quand même réussi à choper un AZERTY. Parce que j'avais déjà cherché plusieurs mois avant, quand il commençait à avoir quelques bugs par moment. Et la part du temps, c'était du QWERTY et tout, donc c'était un peu le bordel. Alors par contre, là, je vais construire un petit peu mon mur, parce que je pensais que j'étais tranquille, mais passe à travers les arbres, ces salauds. Et ouais, donc pour finir ma petite histoire, du coup, j'ai réussi à en trouver un, sauf que tous ceux que je trouve, même les plus chers, sont en AZERTY, ça y a pas de souci. AZERTY français, je précise, parce qu'il y a des AZERTY d'autres langues, du coup, t'as certains signes de caractère qui ne sont pas visibles. Donc par exemple, si tu mémorises pas certains signes que tu utilises rarement, pour les retrouver sur le clavier, bah c'est pas possible. Pour regarder sur internet, où c'est, où tu tapes sur toutes les touches, au bout de... Normalement, tu finis par trouver, quoi. En gros, c'est un peu ça le délire. Donc c'est un peu relou. Et en fait, c'est plus rétro-éclairé, parce que j'avais l'avantage d'avoir un clavier rétro-éclairé, et vu que je joue beaucoup dans le noir, ou que souvent j'allume pas la lumière, ça fait des économies, et ben mon clavier, je le vois pas. C'est rétro-éclairé, on voyait les LED des touches avant. Sauf que le clavier que j'ai commandé, du coup, c'est que un clavier standard, c'est-à-dire il n'y a pas de rétro-éclairage. Donc je vais voir quand je vais le recevoir comment ça se fait, parce que il y a peut-être moyen que je récupère le rétro-éclairage du clavier que j'ai actuellement, de bidouille, il faut voir en fait.
Si les, tout ce qui est nappe de boutons et tout, si c'est transparent sur l'autre, mais que les touches elles-mêmes sont pas transparentes, par exemple, je peux remplacer chaque touche individuelle et mettre les anciennes, qui elles laissent passer la lumière. Donc je vais voir. Franchement, j'y crois pas trop, hein, mais bon, je me dis, il y a peut-être moyen de faire ça, quoi. Alors ça y est, il relance une attaque, c'est salopard. Évidemment, faut qu'il s'attaque à mon pauvre villageois. Donc je vous rappelle du coup la dernière fois, bah, l'objectif, on va le relire ensemble, tiens, progresser jusqu'à l'âge mythique et construisez une merveille. Zeus vous accordera sa bénédiction. Donc je vous rappelle du coup qu'il y a plusieurs bases qu'on doit prendre, sauf que c'est une galère pas possible pour réussir à tout récupérer, puisqu'à chaque fois on se fait défoncer par les troupes de Gargaren 6. Hein, parce que je vous rappelle qu'ici j'avais un village, là j'avais des alliés ici et ici. Bon là d'ailleurs j'ai construit depuis. Mais tout ça, c'était des alliés qui sont fait péter avec les... comment on appelle ça déjà? Les tirs de météorites. Donc bon, forcément, tu peux pas faire grand-chose contre ce genre de... Contre ce genre de... d'armes, hein, de toute façon. Enfin, c'est un pouvoir des dieux, quoi. À partir de là, qu'est-ce que tu veux faire, quoi? C'est un petit peu compliqué, quoi. Donc du coup, voilà, ils ont réussi à me botter le cul. Et là, ce que je vais faire, c'est essayer de regagner le terrain, là. L'idéal, ça serait que je prenne les deux autres villes, comme ça, j'ai un maximum de population, que je fasse une grosse armée. Et puis, il faut que je récupère aussi, là, les cornes d'abondance, ça m'aide aussi. Mais là, pour l'instant, elle est rouge, donc... on va essayer de faire des villes fortifiées un peu partout. Parce qu'en plus, ils passent sur tous les côtés, ceux-là. Je sais pas pourquoi ils veulent pas mettre jusqu'au bout, donc j'espère que ça va pas les laisser passer. Je vais passer à la suivante, hein. Alors, orage foudroyant, abondance... Ah bah tiens, je peux faire abondance. Hop, je vais faire ça. Comme ça, j'en aurai une chez moi. Et en même temps, j'aurai des colosses. Ça, c'est bien les colosses. Donc voilà, hop. On va faire la petite porte. Là, je vais fermer. Oh putain, ils passent par là encore. Ils vont la détruire, putain, les salauds. Faut que j'emmène une partie de mon armée. Hop. Je vais essayer de rivaliser, mais c'est chaud. Ah non, on y va pas, t'es ouf. Fais pas le fou, oui. On va attendre que l'armée se pointe. Ouais, c'est une grosse galère, là. C'est pas un scénario easy. Hein. Celui-là. Bon, en même temps, on est à la fin du jeu, donc faut bien du challenge. Hein. Ça, y a pas de souci, on est d'accord, mais... C'est vrai que du coup, c'est pas facile du tout. Je vais faire un petit fort pour aider. Allez, l'armée arrive bientôt. Donc ouais, je vais essayer de terminer dans cette vidéo, on verra après. Si je suis à 45 minutes, je vois que encore beaucoup de choses à faire. Bon bah, tant pis, hein, je passerai à la vidéo suivante. Parce que après, je sais pas si en faisant juste la merveille, est-ce que je gagne pour autant, je sais pas. Moi, je vois bien éradiquer Gargaren 6, quoi. Peut-être qu'on va avoir des pouvoirs en plus, ou un truc comme ça, mais... Ça m'étonnerait que... Ça se termine sur une construction de merveille, quoi. J'y crois pas trop. Après, peut-être, hein, mais... J'y crois vraiment pas. Donc voilà, hop. Du coup, évidemment, ils viennent me faire chercher la merde. Alors, je vais faire un mur. Parce que, ouais, là, c'est le bordel, en fait. Des deux côtés, on peut se faire attaquer, ici. C'est pas la meilleure ville à défendre, clairement. Alors en plus ils ont plein de camps de... C'est quoi ça? C'est des camps des écuries, pardon. Je crois que c'était des camps d'archers. Donc je vais faire pas mal de villageois. Alors là pour l'instant je joue beaucoup à la souris, hein, donc si vous entendez pas le clavier c'est pour ça. Mais c'est vrai que bon, si je m'en sers... Après c'est vrai que je joue pas trop raccourci clavier. Mais des fois j'essaie. Quand je dois faire pas mal de constructions à la chaîne, genre je sais pas, des maisons... Ça évite de... Par exemple là je vais le faire. Hop. Ah, je peux en faire qu'une de plus, ok. Ça permet d'être un poil plus rapide quand même. Ils m'ont pété mon villageois parce que je le vois plus. J'ai l'impression qu'il est mort. Ils ont pas perdu de temps les salauds. Ah putain, il s'arrête jamais de venir en plus. Paul Colosse. Voilà, va crever. Faut à tout prix que je ferme ce passage. Et il en reste plus beaucoup.
Non, toi tu veux construire. Genre le villageois qui attaque la tour, ça va pas le faire. Hop. Et là, du coup, on va faire un mur. Voilà, là, je pense qu'on sera bon. Et après, je vais faire un fort. Pour être sûr que... Enfin, pour être sûr. Rien n'est sûr, mais disons qu'on va être à peu près tranquille, ça serait cool. Donc là, je vais faire une petite porte. Hop, toi, tu restes ici. Hop, alors toi tu vas rester là, je vais faire des petites tours. Je pense que là du coup il va avoir le temps de passer, salaud. Ah non, ça va, il bloque, parfait. Allez, terminez-moi ça. Alors là par contre, je vais faire une porte en traviole, c'est assez bizarre mais ça passe quand même. Tout la porte elle est toute tordue. Mais c'est pas grave, tant qu'elle fonctionne, moi c'est bon. Donc voilà, je vais continuer à faire 2-3 tours. Hop, voilà. Ça c'est bon. Alors vous, du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que j'ai besoin? Bah de nourriture, j'en ai pas des masses quand même, quand on regarde. Ça peut descendre très vite quand je lance une production d'unité, et là je suis loin d'être à fond en termes de population, hein, mine de rien. Donc voilà, ça vaut le coup que je refasse d'autres villageois encore. Donc voilà, le fort ça va bientôt être bon. Ensuite, là le fort ici il est construit. Je vais peut-être encore faire quelques tours. Alors c'est P, hop. Après c'est pas trop... Ouais, c'est pas l'idéal parce qu'après ça gêne un petit peu le passage. Donc je vais peut-être pas en faire trop non plus. Voilà, ici apparemment il n'y a plus d'or. Est-ce qu'il y a d'autres spots? Cela, c'est vrai qu'après ça va être galère niveau ressources. Ah bah tiens, là il y en a là. Au pire, je vais reconstruire mon village là, ici depuis temps. Là, je le récupère celui-là. Alors ici apparemment... On va les mettre au bas, je sais pas ce qu'ils attendent. Étrange. Là, le mur avait résisté par contre, mais bizarrement... C'est resté comme ça. Enfin, je sais pas comment ils ont fait pour passer. Peut-être par au-dessus, ouais, c'est possible. Donc du coup, je vais construire aussi le village là. Je vais tout récupérer là. C'est juste que cette fois, je vais mettre plusieurs rangs de murailles. Pour être un peu plus serein, parce que sinon, c'est un carnage quoi. Donc voilà, hop. Il y en a un qui va réparer. Voilà. Lui construit forum, c'est bon. Alors, je vais en mettre un à chaque ferme. Voilà. Les trois autres, ils vont venir par ici. Et ils vont construire un petit fort. Ah merde. Ah, ça demande. Ah d'accord, je savais pas. Les forteresses demandent des faveurs. Ok. Ah, et puis j'ai personne qui prie au temple. Faudrait peut-être que j'en mette quelques-uns, mine de rien. Donc voilà. Là ça va, ça se construit tranquille, c'est bon, t'as tout réparé, reste ici. Là c'est OP, nickel. Bah toi tu vas prier aussi du coup. Toi au lieu d'attendre le dégel, surtout que tu gèleras jamais vu que t'es un géant du givre, tu vas venir ici. Voilà, eux je vais peut-être les remplacer. Pour qu'ils se soignent à la fontaine, voilà. Et eux, du coup, ils vont aller remplacer cette escouade. Voilà. Donc voilà, là j'ai une corne abondante, je vais en refaire une autre, du coup. Ah non, je l'ai pas. Ah merde, je croyais que c'était en pouvoir en fait, mais non, j'ai météorite, j'ai un cité maintenant. Pourquoi vous passez par l'extérieur, les gars, vous êtes sérieux? Ah, parce que j'avais pas fait de peur, merde. C'est con ça. Est-ce qu'ils vont repasser à l'extérieur ou pas? Ouais, fait chier. Parce que du coup, je les blesse pour rien, les mecs. Bah écoutez, vu que vous êtes là, allez. Voilà, c'est bon, on va péter ça. Tiens, j'ai même envoyé une météorite là-dessus, ça va les calmer. Hop, voilà. Je vais reculer un peu pour éviter de me les manger. Hop, on va faire un fort ici. Ah.
Ouais, comme ça, ça va écumer un petit peu le rond, ça va les calmer, je pense. Hop, vous allez miner. Parce qu'après, j'ai plus que ça en or, j'ai l'impression. Il n'y a pas d'autres spots d'or. Ouais. Ah si, il y en a là. Ouais, enfin, il y a des ennemis, quoi. Enfin bon, après, en cas de dernier recours, ça peut être utile. On verra, quoi. Donc voilà, là, c'est bon. Ah non, pas tant que ça, en fait. Hein. Peut-être rebousser chemin un peu, là. C'est qui, ça? Ah merde. Pauvre Anubis, il est mort. Du coup, ouais, faut quand même que je recrée une armée dans tout ça, parce que là, je perds des unités à fond. Alors, ce que je vais faire, du coup, c'est que, vu que la plupart des unités vont passer par ici, ça va vraiment être ma base, ici, je pense. Je vais faire tous les bâtiments nécessaires. Hop, je fais deux casernes, comme ça, c'est plus rapide. La forteresse, elle est bientôt terminée, ça va aider un peu, je pense. Voilà, parfait. Et je vais faire quelques tours aussi. Toi, tu vas réparer lui. Bon, ça y est, là, ils vont pas tarder à claquer, c'est que des unités de merde qui restent, donc c'est cool. Après, qu'est-ce que je peux faire ici? Chevaux de détachement, lance-pierre, on s'en fout. Myrmidon lourd, efficace contre les soldats humains égyptiens, scandinaves et altantéens. Ouais. Ouais, je suis pas... c'est pas ouf. Là, par contre... putain, merde, ils sont chauffés, les mecs, là. On va attaquer rapidos. Je les ai pas vus arriver, quoi. Est-ce que je vais m'en sortir? Parce que là, géant contre... ah si, ça va, je l'ai givré. Ça passe. Ouais, là, il va falloir que je renforce, en fait. Bon, déjà, faut que je renvoie l'armée, parce que normalement, eux, c'est bon, là, ils sont soignés. Retour au bercail, maintenant. Alors, est-ce que c'est bon? Putain, ils arrêtent pas de venir, en plus. Parce que je veux pas trop utiliser mes pouvoirs, après, ça va être chaud. Je vais essayer de reconstruire un mur. Si la tour me le pète pas, ce qui est pas sûr. Elle a déjà commencé à le péter. Vas-y, défonce-moi cette tour, là, ça va la calmer. Voilà, parfait. Pourtant, ouais, j'ai fait... Ouais, non, j'ai pas fait beaucoup de tours, en fait. Hein. Parce que là, j'allais dire, pourtant, j'ai fait pas mal de tours, mais... il y en a que deux, finalement, donc c'est pas tant que ça, parce que c'est un petit peu la base. Vous l'emmenez. Donc je vais peut-être en faire plus, finalement. En tout cas, merci Géant Jim, il m'aura bien servi sur ce coup-là. Je peux pas faire de porte? Ah merde! Je peux pas faire de porte, ça passe pas. Bon bah tiens, pète ça au passage. Ça va t'occuper. Du coup, je vais mettre une blinde de tour, vu que c'est condamné que je peux pas faire de porte. On va en mettre tout le long. Vous l'aimez. Voilà, putain, avec ça, ça passe à buter. Je vais peut-être aller l'aider, parce que ça serait... ah merde, putain, il va claquer. Pas trop tard. Ça aurait été bien de le garder en vie, parce que c'est pas mal, les géants, mais bon. Tant pis, c'est trop tard. Donc, par contre, oui, le fameux abondant, je sais pas où il est. Bon, je vais faire toutes les améliorations possibles, vu que j'ai de la bouffe avant. Mais, ouais, j'ai débloqué un truc, c'est abondance, et je sais pas où il est, le bordel. Je vois pas quel bâtiment, je regarde un peu partout. Je trouve pas, je comprends pas. Ça, je pensais que c'était un pouvoir du coup des dieux, mais apparemment non. Donc je sais pas ce que c'est. Par contre, ouais, là j'ai plein de chômeurs. Alors du coup, je vais regarder pour la merveille. Bah ça va, j'ai toutes les ressources, bah, je vais peut-être la commencer. Ah, c'est pas mal ça comme merveille. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion d'en faire avant, du coup vous en avez jamais vu. Vous avez pas vu celle des autres pays, enfin des autres civilisations. Je sais plus à quoi ça ressemble, je pense que l'Égypte ça doit être une bonne vieille pyramide. Mais les Scandinaves, je sais pas par contre. Peut-être une statue d'un bon gros bourrin avec un marteau, une connerie comme ça, peut-être, je sais pas. Voilà, je pense qu'avec le nombre de mecs qui va aller travailler dessus, ça pourra aller vite. Voilà.
Bon, ça construit lentement quand même. Je regarde au cas où les objectifs. C'est toujours la même chose, ok. Donc voilà, ici c'est construit. Il n'y a pas de villageois, ok. Je sais pas où il est. Ah, j'aurais peut-être dit. Bah non, ils sont là, t'sais. Hop, allez-y. Donc là, j'ai 260 de population possible. Donc j'ai vraiment de quoi faire. Faire toutes les unités intéressantes, mais d'abord je fais toutes les améliorations. Ah, ça y est, vraiment sur la tête, c'est cool. Ils sont tenaces. Peut-être faire deux tours en fait. Ça peut être rentable. Ah, là, c'est un colo, ça rigole moins. Mais je pense que, ouais, là j'ai tellement de flèches avant. J'arrive quand même à bien les dégommer. Ah, donc c'est pas mal. Du coup, ils essaient de passer par là maintenant, ces petits malins. Mais avec toutes les tours que j'ai, je vais même faire les améliorations possibles. Bon, le mur prend cher quand même. Mais je vois pas trop comment l'améliorer en fait. C'est ça le truc. Putain, c'est chaud. C'est chaud quand même. Putain, l'Héliopolis, il perd pas beaucoup de vie. Répare le mur avant que ça casse. Putain, il a lâché. Oh là là, ça a abusé. Comment c'est résistant, l'Héliopolis. Allez, butez-le, le colosse. De toute façon, il a plus de vie. Celui qui voulait passer de l'autre côté tout à l'heure. Hop. Putain, la vache. C'est vachement résistant cette merde, je pensais pas, mais... Les tours, elles font pas grand chose à côté. Puis j'ai pas d'amélioration pour les tours, que ça fasse vraiment super mal à ce genre d'unité. Ce qui est un peu abusé d'ailleurs. Bref, on va faire des soldats à l'appel. J'avais pas fait deux camps comme ça. Je me suis trompé en fait, j'ai l'impression. J'ai dû me tromper. Ah, tu construisais, je croyais qu'il y en avait un deuxième en fait. Mais non. Bon, ils y arrivent ou quoi à la péter cette foutue tour? Vas-y, répare-moi ça. Bah là par contre je peux refaire une tour, d'accord. Ça a rien y comprendre. Tout à l'heure ça marchait pas. Bon, ça va, je répare vite quand même, c'est cool. Attends, on est déjà à 23 minutes, ça passe super vite. Hein. C'est chaud. La merveille. De toute façon, elle est bientôt finie, là, apparemment. Ça construit plus vite que prévu, finalement. Bon, faut dire qu'il y a vraiment beaucoup de bonhommes aussi dessus. Hein. J'ai mis le paquet, quand même. Je vais faire des myrmidons champions, je sais pas trop ce que ça vaut. On va tester. Donc voilà, ça s'est réparé. Les murs, il y en a encore des cassés. Donc il me reste deux pouvoirs. Je peux faire soigner mes unités. Et l'armure de bronze, c'est pas mal aussi. Donc voilà, on va continuer les unités. Je vais mettre illimité. C'est vrai que j'ai du mal à mémoriser qu'il y a cet avantage dans les jeux mythologie. C'est vrai que j'ai tendance à pas le faire, alors que, au contraire, il faut, c'est cool. Voilà, on va voir ce que ça vaut, ça. Et empêcher Chronos de revenir fouler la Terre. Alors du coup, l'objectif, ça va être utiliser le pouvoir de Zeus sur Arcanthos, puis anéantir la statue vivante de Poséidon qui garde Gargarensis. Ok, ça marche. Zeus vous protège. C'est inutile. Chronos sera bientôt libre et Zeus enchaîné. Bah, c'est allons ce qu'on le temps que la bénédiction de Zeus est sur nous. Je m'occupe de la statue vivante. Allez, c'est parti. J'ai pas une grosse escouade, mais je pense que là, avec les myrmidons, les tarsiaques, tout ça... Enfin, là, il n'y a pas de myrmidons, remarque. Mais je pense que là, j'ai quand même une bonne équipe. Il y a moyen. Voilà, on va les rejoindre avec ça.
Ah, par contre, du coup, j'ai plus mes autres pouvoirs, ils ont disparu, ça c'est un peu con. J'ai pas eu tout venu. Donc, je vais pouvoir faire l'amélioration sur Arcanthos. Mais j'attends pour le faire parce que j'ai peur que, si vous voulez, ça se barre en fait. Ça serait con que ça dure qu'un certain temps en fait. Donc, je préfère attendre encore un peu. Hop. Donc du coup on va peut-être avoir la possibilité de finir dans cette, cette vidéo finalement. J'attends d'avoir vraiment toutes mes troupes. Hop, je fais d'autres unités quand même au cas où. Ne serait-ce que pour défendre la base quand même. Mais là je suis à 262 pop, donc de toute façon faudra attendre les morts quoi. Allez, on va tous les péter tranquillou. Est-ce qu'il y a d'autres améliorations que je pourrais faire? J'ai pas vraiment de colosse, mais au cas où, ça pourrait servir. D'ailleurs, je vais essayer d'en créer d'avance. On sait jamais. Je vais le faire pop ici. Je sais pas si j'en aurais besoin, mais bon, au cas où, quoi. Alors, ceux-là, on va bien les dégommer, là. Hop. Allez, sur le colosse, on va voir combien de temps il dure, celui-là. Ouais, c'est un colosse simple, mais vraiment costaud. Et la fameuse tour de siège. Voilà. La tour de siège, en fait, elle est pas trop costaud contre les infanteries, hein, quand on la focus. Mais c'est vrai que contre les flèches, putain, c'est méga blindé, quoi. Même les BI dans Age of Empires, je pense que ça prend quand même plus cher que ça. Mais là, faut vraiment mettre beaucoup de coups, et c'est quand même une arme assez cheatée, mine de rien, parce qu'en plus, elle attaque à distance. Pour une vieille tour comme ça, c'est pas un truc de merde. Voilà. Allez, roule. Putain, il y a du monde, là. Hein. Peut-être la baston générale. En plus, il y a pas mal de lions et tout. Je vais faire le pouvoir, du coup, pour Arcanthos. Il est où, là? Voilà. Putain, comme il se défoule le mec là. 160 de dégâts. Ah ouais, lui tout seul il défonce le bâtiment. Bon, par contre, ce serait plus utile là-bas donc voilà. Parce que bon, au pire sur les forteresses, c'est sûr. Vas-y, pète la forteresse, on va voir. Ah, il a des gars, hein. Allez, le colosse. Voilà. Les fameuses tours. J'arrive pas à voir le point de vie, mais je pense que ça va pas tarder. Ah bah, elle est déjà cassée, d'accord. J'ai pas capté. Ok, toi, tu viens par là, tu vas dégommer le vilain lion. Alors, du coup, il a complètement changé de voix. Le mec, il est métamorphosé de fou. Et il a one-shot, le lion, d'accord. Bon bah c'est parti, vas-y. Va attaquer le Poséidon. Voir combien de vie ça lui enlève. Ah ouais, là ça lui fait du moins 1000 presque. Ah non, peut-être pas. Moins 600 ça lui fait, par coup. Bon, sachant qu'il a 20 000 HP. En plus j'ai 2400 HP, vous avez vu, je me soigne tellement vite que même les coups du Poséidon en statue, ça sert à rien en fait. Je restate quand même. Limite j'aurais pu rusher tout seul avec... Ah bah tiens, j'ai les pouvoirs de météorite. Sympa ça. Par contre, si je peux dézoomer, si ça voulait pas. Sur quoi je peux le faire Tiens, on va faire ça là. Vous m'aviez promis. Ah, nickel. Entière est perdue. Juste les bâtiments. Nous avons sauvé les habitants. Et Arcanthos. Arcanthos. Réveillez-vous.
Et voilà, ça y est, on est arrivé à la fin du coup. Donc, vous avez remarqué qu'à la fin, Arcanthos du coup est devenu un dieu en fait. Enfin, en tout cas, on le devine comme ça, j'imagine, parce qu'il rejoint Athéna et puis on voit hein, son armure est devenue blanche. Donc, je pense que c'est ce qu'ils ont voulu dire. C'est peut-être pas ça, hein, ça se trouve, j'ai du bullshit, mais en tout cas, moi je l'interprète comme ça. Donc, du coup, Gargaren 6, lui, en 2 secondes, il s'est fait dégommer à la fin alors qu'on a galéré à le buter pendant tout le jeu. Et là, il se mange un coup de trident, au revoir. C'est un petit peu symbolique du coup, parce qu'au début il avait volé le trident et enfin, il voulait utiliser Zeus contre nous en fait. Donc voilà, il a eu ce qu'il méritait finalement. Et du coup, ils expliquent entre guillemets comment Atlantide a coulé avec ces différents événements. Et puis voilà, on a réussi à conclure, on a affronté notre ennemi. Malheureusement du coup, bon, Atlantide a coulé, mais comme l'a dit... Attends, c'est qui l'a dit là? C'est un perso final, je crois que c'est Amanra, mais je suis pas sûr. Du coup, qui a dit que. Enfin, que les gens étaient sauvés, quoi. Voilà. Par contre, il y a eu un changement de résolution lors du. De l'affichage, là, du. Comment dire. Du générique de fin. J'espère que ça a pas bugué la capture. Je le verrai au montage, on va dire. Au pire, j'essaierai de recapturer le. Générique de fin, si je peux. En tout cas, c'est un générique assez sympa. Hein. On voit un petit peu les. Vous demandez peut-être c'est quoi ces photos de gens. Bon, vous avez peut-être une petite idée quand même, hein, mais c'est tous les développeurs de Ensemble Studio, du coup, à ce moment-là. Donc voilà, on voit un petit peu. Bon, ils sont souvent en train de faire la fête et ils travaillent pas beaucoup, on dirait. J'ai envie de dire. Mais voilà. Donc voilà, on est arrivé à la fin de ce walkthrough du coup sur Age of Mythology que j'ai vraiment apprécié faire. Il a vraiment son identité et il a quand même toujours des similitudes de gameplay avec l'Age of Empires, mais il a vraiment sa propre identité avec les différentes mythologies, les dieux, les pouvoirs, les unités mythiques, les héros. C'est vraiment, vraiment très cool, et puis il y a des héros qui ont des attaques particulières qu'il faut recharger, genre Ajax il botte le cul des ennemis, il s'envole et tout, enfin... Il y a vraiment des trucs cool de ce côté-là. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'apprécie beaucoup le jeu, en fait ça donne un côté rafraîchissant, je dirais, à la licence Age of Empires qui est à côté, qui se veut plus réaliste du coup. Même si bon, c'est pas ce qui se fait mieux en termes de réalisme, c'est pas non plus voulu, mais... Vous voyez ce que je veux dire quand je dis réalisme, il n'y a pas de truc. Enfin, il n'y a pas de super pouvoir ou de conneries comme ça. Donc voilà, j'ai vraiment kiffé, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais voilà, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Je joue quand même beaucoup moins qu'Age of Empires, comme je disais au début du walkthrough. Tout simplement par habitude, je dirais, j'ai plus grandi quand même avec Age of Empires 1 et 2. Mais j'avais vraiment beaucoup apprécié à l'époque la campagne de Age of Mythology. Je pense que c'est la meilleure, ou l'une des meilleures en tout cas. Il y a peut-être des scénarios comme ça dans Age of Empires 1 et 2 qui sont vraiment cool. Je pense avec Jeanne d'Arc aussi, c'était quand même assez cool. Mais globalement, je trouve que c'est la meilleure parce que déjà, il y a beaucoup plus de narration. Vous l'avez vu, il y a des cinématiques, les différents personnages parlent plus souvent. Donc c'est beaucoup plus vivant. Enfin, on est dans un jeu qui est beaucoup plus contemporain, on va dire. Par rapport à ses aînés. Mais après voilà, il y a aussi un côté technologique qui fait ça. Enfin, les autres sont plus vieux quand même, donc forcément, il n'y avait pas forcément de studio ou beaucoup de cinématiques. Excuse me, I've got a little bit of a cold. Could we just take this ring out of my nose? Back in the old days, we were very good friends, Gagarensis and me. Alors il y a une espèce de doublage derrière. J'ai l'impression que c'est les voix originales des héros. Ça doit être des blagues ou quoi, mais c'est pas du tout doublé en français, donc il n'y a pas de sous-titres en plus. Donc c'est un peu dommage, parce que je pense que c'est voilà, des petites blagues. Un petit peu comme des acteurs, quoi, genre je t'ai cassé la gueule ou des trucs comme ça. Enfin, je pense que ça doit être ce genre d'humour-là, mais du coup, je ne comprends pas ce qu'ils disent, ce qui est un peu con. Mais voilà, ouais, du coup, pour revenir à Age of Mythology, c'est vrai que... voilà, c'est un jeu que j'ai beaucoup moins joué, quand même. Par rapport à Age of Empires, par contre, Age of Empires, je fais beaucoup plus des campagnes, enfin pas des campagnes, des cartes aléatoires, si vous voulez, ou des combats à mort, pour avoir plein de ressources dès le début, faire des bastons épiques, créer vraiment sa base. Et Age of Mythology, par contre, c'est plus la campagne, du coup, qui m'intéresse pour le coup.
Parce que voilà, les boucles plus vivantes, très sympathiques. Alors c'est marrant, on voit des petites images, genre c'était l'espèce de sport mythologique là, avec des drapeaux de numéros, je sais pas trop c'est quoi. Là ils s'amusent à faire plein de montages à la con, stable et délire. Bon, ils sont amusés les mecs, hein. Ils en ont profité à fond. Ah, je crois qu'on arrive au bout là. Ah, les fameux cosplay là, attention. Voilà, ça y est, on est arrivé au bout. Du coup, là, on va se retrouver au menu principal. Ah non, juste ce menu là, ok. Hop, donc on va retourner au menu principal, comme ça, c'est la musique de fond. Donc oui, aussi, bah forcément, l'innovation aussi, le fait que ça soit en 3D. Et c'est vrai que c'est très bien réussi, quoi, pour le coup, pour leur premier jeu 3D, puisque avant, c'était que de la 2D, je vous rappelle, en isométrique. Là, franchement, ils ont quand même bien géré. Il y a vraiment des effets très sympas. L'eau est très réussie. Moi, c'est ce qui m'avait fait le plus kiffer à l'époque. Je trouvais ça très, très joli. Parce que l'eau, encore, dans le 2, était pas mal. Mais dans le premier, c'était de l'eau très bleu foncé. Même les rivières. Donc, c'était relativement sommaire. Le 2, ils avaient beaucoup amélioré ça avec des eaux peu profondes, très profondes, etc. Il y avait les hauts fonds et quelques effets en plus. En plus, dans la version HD que je vous ai faite, je crois qu'il y avait des reflets de vagues. Vous voyez légèrement plus ou moins l'inclinaison de l'écran. Bon, c'était plus ou moins réussi. Hein. Ça, c'est un petit ajout qu'ils ont fait dans la version HD. Bon, voilà, on crache pas dessus, qu'on va dire, mais c'était pas non plus ouf. Mais là, c'est vrai que les effets d'eau sont beaucoup plus sympas. Du coup, on voit les poissons à travers, etc. La végétation sous-marine et tout. Donc, c'est vraiment très très cool de ce côté-là. Même si finalement, on n'a pas fait beaucoup de batailles navales. Hein. C'est vrai que le jeu misait beaucoup sur les combats terrestres. Les seules phases de bateau, en fait, la plupart du temps, c'était juste pour transporter des unités, quoi, en gros. Et c'était relativement rare. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai un message d'erreur. Ça veut pas l'afficher. Voulez-vous changer le jeu de couleur pour améliorer les performances? Bah non, mais fous-moi la paix, quoi. Putain, il m'envoie des messages comme ça. Je sais même pas si la capture réelle a continué de marcher, là. On verra, mais ça arrête pas de me faire des trucs, changement d'écran, de résolution. Là, il me parle de jeu de couleur avec Windows Aero, alors que il me l'a jamais demandé pendant tout le jeu. Donc, j'espère que la capture a pas foiré. Parce qu'encore une fois, je connais pas vraiment les limites, on va dire, de la capture de ce système-là avec NVIDIA. Et en plus, j'ai remarqué à travers le montage, c'est vrai que je l'ai pas dit avant, parce que je remarquais pas trop, on va dire, dans la première dizaine de vidéos. Mais le reste, ça, j'ai fait pas mal de montage et il y avait des décalages, par exemple. C'est-à-dire que il y avait des décalages avec mon commentary, en fait. Au début, je le calais. À chaque fois, je fais le petit indice audio quand je dis « tac », par exemple. Et du coup, à partir de là, normalement, tout le reste est synchro. Sauf qu'il y a des moments, ça se désynchronisait de 2-3 secondes, des fois. Donc, j'ai pas compris pourquoi. J'ai essayé de recaler un petit peu ma voix, du coup, par rapport au jeu. Je coupais pas forcément le jeu. Mais je sais pas pourquoi ça fait ça. J'ai pas réussi à trouver enfin, des fois je trouve pas la raison, mais j'arrive à savoir comment ça fonctionne. Il y a des jeux, par exemple, c'est progressif. Donc tu sais que bon, au bout d'un moment, de toute façon, ça se décalera. Donc faut essayer de recaler, on va dire, toutes les 5 ou 10 minutes pour que ça soit à peu près toujours calé, quoi. Mais là, c'est totalement random, en fait. Il y a des fois, j'étais pile, enfin presque pile, et il y a d'autres fois, j'étais beaucoup décalé sur une même vidéo, donc. J'ai pas tout compris, quoi. Enfin, ouais, ce système de capture reste relativement obscur pour moi. C'est un petit peu comme la version char sur PlayStation. Sur la PS4, en tout cas. Mais bon, voilà, en tout cas, ça a relativement fait le taf. Dommage, quand même, qu'on voit pas le curseur pendant les parties. Ça, c'est un truc assez casse-cou, quand même, pour montrer les choses. C'est quand même plus parlant. En plus, ça, c'est l'avantage de ce genre de jeu. C'est que dans tous les autres jeux, à chaque fois quand tu veux montrer des trucs, bah tu te dis, par exemple pour Tomb Raider, je vous disais, bah tiens, au-dessus de la tête de Lara, du coup j'orientais la caméra. C'était le seul moyen possible pour que je puisse vous montrer que là, avec un pointeur de souris, c'est l'idéal. Tu peux montrer ce que tu veux, tu peux faire des formes, ce machin. Mais là non, ça se voit pas. Donc c'est assez particulier. Pareil, j'avais essayé de fouiller sur internet, j'ai pas trouvé le moyen. Donc bon, on fait avec, on va dire. Voilà, en tout cas j'ai vraiment essayé de faire au mieux de ce côté-là. Puis voilà, hein, après, on fait avec les moyens du bord, comme on dit, mais bon. J'essaie vraiment de faire au mieux à chaque fois. J'essaie de faire des recherches et tout, rajouter un truc dans le registre et tout, mais étonnamment, ça marche pas.
Enfin, ça marchait quelques secondes au début de la vidéo quand j'avais fait le test. Puis après, ça marchait plus. Tu sais pas pour quelle raison, mais bon, voilà. C'est comme ça. Sinon, que dire de plus? Bah, je crois que j'ai fait après le tour du jeu, hein, globalement. Les mécaniques de gameplay, on les retrouve. Bon, il y a quand même beaucoup de différences entre les différentes civilisations, mais d'un autre côté, il y a moins de civilisations. Donc ça peut être aussi un bémol, ça dépend du point de vue des gens. Bah, avec l'extension, du coup, ils ont rajouté les Atlantéens. Parce que c'est vrai que les Atlantéens, du coup, je vous avais montré la vidéo dans la toute première... dans tout premier épisode, en fait, la vidéo d'introduction des Atlantéens. En fait, on les joue jamais dans le jeu, parce qu'on joue à Arkantos, qui est un Atlantéen, mais à chaque fois, on joue les Grecs. Toutes les unités, les bâtiments, c'est grec et c'est même pas Atlantéen. C'est que dans l'extension The Titan qu'il y a les Atlantéens. Et après, je sais qu'il y a eu d'autres extensions qui sont ressorties il y a très peu de temps, enfin, il y a quelques années. Ils ont fait un petit peu comme Age of Empires 2, si vous voulez, le jeu a une seconde vie, entre guillemets. Et font d'autres extensions, et je crois qu'il y avait des mythologies peut-être asiatiques, mais je suis pas sûr. J'ai pas trop regardé, honnêtement, parce que c'est un DLC, du coup, faut l'acheter en plus. Et vu que moi, voilà, j'ai pas connu ça à l'époque. Comme je disais ça pour Age of Empires 2, hein, c'est exactement les mêmes raisons. C'est juste que j'ai pas connu le jeu comme ça, et... Enfin, moi, ça me convient très bien, le jeu de base, en fait, quoi. Enfin, l'extension The Titan, je l'avais déjà à l'époque, hein, j'avais acheté la boîte, de toute façon vous le verrez dans la bise actuelle, mais... Enfin, vous l'avez vu du coup, parce que ça remonte un petit temps maintenant. Mais voilà, j'avais directement l'extension avec, c'était une compile quoi. Mais après voilà, c'est pas... Enfin, ce genre d'ajout c'est cool pour ceux vraiment qui se lassent, mais... Je fais pas forcément du public, enfin je fais pas forcément partie du public qui se lasse, et à chaque fois faut constamment la nouveauté, sinon tu joues plus au jeu quoi. Enfin moi ça c'est des jeux de mon enfance si vous voulez, donc j'y retourne. Même si avec une civilisation ça se trouve, j'y retournerai quand même tout le temps quoi, parce que je m'en fous, enfin c'est... Il y a la nostalgie qui prime si vous voulez, c'est pas le même délire quoi. Donc voilà, j'aime aussi beaucoup les musiques du jeu, bon le thème principal est vraiment très cool, c'est pas du tout enfin quoique... Ouais, non, c'est pas trop la même mélodie quand même qu'Age of Empires. Parce que j'essaie d'analyser vite fait, voir s'il n'y a pas quelques sonorités similaires, si vous voulez, pour faire un petit clin d'œil, faire ce côté un petit peu. Bah, on fait quand même partie de la série des Age of. Mais non, je crois pas qu'il y ait ce genre de petits détails. Mais j'aime vraiment beaucoup le thème, il est très très épique. Enfin, t'as vraiment le côté mythologie, je trouve. Enfin, je sais pas, tu sens qu'il y a des trucs, voilà, il y a les dieux et tout. Enfin, je sais pas trop comment dire ça, mais bon. Voilà, t'as le côté épique, quoi. Puis les musiques d'ambiance globale dans le jeu sont vraiment cool. Il y en a qui sont plus typées égyptiennes, plus typées scandinaves, plus typées grecques, etc. Donc c'est assez cool. Il y a encore une fois un travail assez intéressant sur les musiques. Alors après, c'est pareil au niveau des jeux mythologie. Il y a d'autres avantages au jeu. Bon, il y a la partie solo avec les campagnes, cartes aléatoires, etc. Mais on peut aussi faire, on peut aussi faire des scénarios et des campagnes avec l'éditeur. Ça fonctionne pareil que Assassin's Creed, Cage of Empires 1 et 2, si vous vous rappelez, je vous l'ai montré. Et évidemment, on peut jouer en ligne. J'ai jamais joué en ligne, par contre, sur le jeu, même avec la version Extended Edition. Encore une fois, j'ai pas trop été intéressé. Il y a vraiment que avec Cage of Empires 1 et surtout le 2, j'ai joué en ligne. Mais encore une fois, quand je dis surtout, ça se compte en quelques dizaines d'heures, c'est tout. Ça peut paraître beaucoup hein, pour un jeu comme ça, mais les jeux vampires, depuis tant que j'y joue, depuis ma tendre enfance, j'ai largement dépassé les 1000 heures sur chaque, je pense. Donc voilà, quelques dizaines d'heures, c'est rien du tout à côté des centaines et des centaines d'heures que j'ai joué en solo. Quoi. Alors j'ai quand même cliqué dessus, je sais pas si ça va faire bugger ou quoi, mais... Alors il est très simpliste. Enfin, j'aime pas trop en tout cas la mise en page, on va dire, de ce mode. Si vous vous rappelez, dans les jeux vampires, c'était quand même un minimum stylisé. Ça reprenait un petit peu les menus d'un mode de jeu, quoi. Que là, vous voyez, ça fait des petites fenêtres, genre Windows 98 ou Windows 2000, quoi, XP. Ouais, je suis pas trop fan du style, mais après, bon, ça fonctionne pareil. Hein. On peut rajouter, voilà, des éléments de scénario, le monde... Qu'est-ce qui... Voilà, on peut... Ça, c'est quoi, ça?
Hop, voilà, on peut lever la map, vous voyez. Alors, vu que c'est en 3D, par contre, il n'y a plus ce système de casse. Enfin, un petit peu quand même, hein, si on reste appuyé, on se rend compte quand même qu'il y a un peu cette mécanique-là. Mais vous voyez, on peut vraiment faire des collines et tout. Enfin, du coup, on peut vraiment s'amuser, hein, pour le coup. Même si les jeux vampires étaient déjà très complets en termes d'éditeur de scénario, là, on peut vraiment faire quelque chose encore plus poussé. Parce que là, sculpter à ce point-là les niveaux de map, on peut vraiment faire des reproductions, je sais pas, de trucs qui existent, qui sont beaucoup plus réalistes, je dirais. Par rapport à Age of Empires, on était limité par le système de casse, quoi. Et après, voilà, on peut choisir, alors c'est quoi ça, pinceau, s'en fout. On peut ajouter des montagnes. Après, c'est des trucs classiques, hein, qu'on connaît déjà, mais... Hein. Et voilà, quoi. C'est vraiment très cool, après, bon, tout ce qui est objet... Placer objet, donc vous voyez là on a toute la liste. Voilà, ce genre de choses. Des araignées. Ça on les voit à peine, mais je pense que ça doit en faire pop, mais là je les vois pas. Mais voilà, il y a énormément de vie dans ce Age of Mythology, donc il y a plein de petits détails. Voilà, on peut rajouter de la brume, ce qui n'existait pas avant. Dans Age of Empires, par exemple. Donc vous voyez, ça peut vraiment créer des ambiances très différentes, quoi. Limite, on n'est pas obligé d'utiliser que des unités mythiques. On pourrait, puisque dans les scénarios, on peut interdire ou autoriser certaines unités. Donc on pourrait limite retirer tout ce qui est mythologie du jeu, avoir que les unités genre hoplites, archers de base, comme c'est un Age of Empires, quoi. Il n'y avait rien de surnaturel. Mais on pourrait créer des ambiances beaucoup plus glauques, avec voilà cet effet de brouillard. Après, je sais pas, au sol, tu mets des vieux pavés abîmés... limite dans une grotte ou reprendre des décors de l'enfer par exemple, ça peut vraiment te faire des trucs très stylés, quoi. Donc il y a vraiment de quoi se faire plaisir, hein, pour les créatifs, ceux qui ont envie de se taper un délire. Tu peux éditer vraiment une très très bonne map sur ce jeu, quoi. C'est beaucoup plus poussé en tout cas que les jeux vampires, quoi, en tout cas. Donc voilà, c'était histoire de vous montrer à quoi ça ressemble viteuf. Après on peut faire un éditeur de caméra du coup, parce qu'il y a une caméra en 3D maintenant. Donc on peut faire des cinématiques, faire des zooms par exemple sur les persos, etc. Donc ça par contre j'ai jamais essayé, ça doit être assez complexe, mais je pense qu'une fois que tu prends bien le moteur en main, tu peux vraiment faire des trucs stylés. Ça c'est clair et net, il y a de quoi se faire plaisir je pense. Pour scénariser tes scénarios, c'est quand même plus sympa. Parce qu'avant dans les Age of Empires, ce que c'était, c'est que genre la caméra, si tu pouvais la faire bouger à un endroit où il y avait un spot d'unité, mais tu sais, dans les Age of Empires, tu peux pas zoomer, dézoomer, tu peux pas orienter la caméra, c'est de la 2D. Donc tu peux rien orienter du tout. Et puis après, bah voilà, tu pouvais juste faire pop des textes, peut-être des fichiers sons, et encore ça j'ai jamais essayé, mais peut-être qu'on pouvait importer des fichiers sons. Mais voilà, c'était très rudimentaire que là tu peux éditer carrément des cinématiques, quoi, donc... Après, je sais pas si tu peux vraiment éditer toutes les animations des persos. Cela, je vois voir les animations, peut-être que. Je sais pas, genre. Regardez vite fait. Ah, y a pas trop de. Ah bah, vous voyez, là déjà, par exemple, je peux zoomer la caméra. Là, c'est pas un zoom de jeu, quoi. C'est vraiment zoom. Zoom caméra, quoi. Bref, y a rien d'ajouter là, mais je pense que peut-être on peut éditer soi-même ces animations, je sais pas où en les téléchargeant. Enfin bref, c'était l'histoire de vous montrer, quoi. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce Wakefu, qui n'était pas aussi long que les jeux vampires. Mais voilà, ces campagnes étaient beaucoup plus concises, bien plus scénarisées. Donc voilà, ça se vaut, hein. C'est ce que je disais dans une vidéo il y a très peu de temps, dans l'une des dernières vidéos. C'est que, voilà, t'as moins de phases de jeu très très longues où tu crées vraiment une énorme armée parce que ça prend du temps, etc. Là, tu passes plus rapidement à l'action. Donc après, ça se vaut, quoi. Puis finalement, j'ai fait très peu de coupures aussi durant le jeu. Il y a très peu de vidéos où j'ai fait genre 15-20 minutes de coupure, alors que des fois, c'est arrivé, hein, sur les jeux vampires. Des fois, c'était des vidéos d'une heure, voire 1h30, et je jartais 40 minutes au moins de vidéos, quoi. Parce que c'était beaucoup de... Bah voilà, le temps de créer ton armée, machin, machin. Que là, ça va beaucoup plus vite, en fait. Donc ça qui est cool. Si vous avez pas trop de temps de jouer, bah... Age of Mythology, c'est plus adapté, je dirais, en tout cas. Bref, je retiens pas plus. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à faire part de vos retours sur le jeu, et puis sur ce Wakefu, en espérant qu'il vous aura bien accompagné durant les grandes vacances. Et puis, se dit à la prochaine, du coup, pour un nouveau jeu.
On verra ça dans une bisectu, comme d'habitude. Allez, à plus.